Allez, salut tout le monde, c'est les Pixels, aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème épisode de notre Let's Play sur Pokémon version jaune. Et donc au dernier épisode, on s'était laissé à la centrale après avoir passé ce petit téléporteur. Et donc on ne sait pas encore ce qui va se passer plus tard dans cette centrale, donc on va aller voir tout de suite ce qui va se passer. Donc je rappelle que mes Pokémon n'ont pas XP, parce que je suis resté toujours ici, j'ai pas été regarder en off ce qui s'est passé plus tard dans la centrale. J'ai un peu regardé sur internet ce que j'aurais gagné durant cette centrale. Et bien durant cette centrale, on a vu Régis, on va devoir combattre Régis. Et on va aussi avoir un nouveau Pokémon dans notre équipe. Et ça, vous le saurez un peu plus tard et je vous ne dis pas encore le nom parce que... Il est assez spécial comme Pokémon, vous allez voir que c'est... Il est vraiment sympa. Et par ailleurs, dans cette centrale, il n'y a pas Elector. Elector, il est fourré dans une autre grotte. Mais pas dans cette centrale. Donc, non, il est pas là. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Waouh, maman! Ok, bonjour. On va passer par là. Voir ce qui s'y passe. Ah non, je crois qu'on l'a déjà... Oh non, je sais plus. C'est un gros labyrinthe, moi. J'ai un peu regardé sur internet, mais... honnêtement, c'est un gros labyrinthe et... on ne sait pas vraiment où on va, donc on va essayer de... de descendre comme il faut. Parce que je sais plus du tout où j'étais. Ok, on est en bas. En fait, on va fouiller toutes les salles. Comme j'ai dit dans le dernier épisode, ce que je voulais faire... C'est qu'on va fouiller toutes les salles... De A à Z, c'est-à-dire qu'on va partir du bas et on va remonter. Enfin, on va redescendre. Donc j'étais passé par là. Je crois. Non, même pas. C'est assez la foire. Parce que je sais pas vraiment où on va. Là, il y a une Pokéball. Donc on n'a pas été par là. Enfin, je crois. Donc, ouais. On va regarder, parce que... Il y a des trucs que je comprends assez moyennement, là. Je crois que je t'ai déjà parlé à toi. Ouais, c'est assez chaud. Chaud. J'étais passé par là, je crois. Ouais, donc on va redescendre. Là, il y avait une Pokéball à l'arrière, je m'en souviens. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer de rusher un peu le truc. On va regarder toutes les salles. Parce que voilà, on est un peu paumé. On ne sait pas trop où on va. Et oh, il y a une autre Pokéball. Si on va là. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est honnêtement, c'est... C'est chaud. Si je passe par là. Bah, ça revient au même point où j'étais tout à l'heure. Ok, c'est du gros n'importe quoi. Quand on sait pas, on sait pas. Donc du coup, on est paumé. Toi, je crois qu'il y a un truc à faire là. Qu'il faut passer par là, je crois. Mais en fait, on revient au même point. C'est du gros n'importe quoi. Comment j'ai fait pour passer à l'autre truc? Zut, il faut une carte magnète. Ah, il faut une carte magnète. La carte magnète, je sais pas vraiment où elle est. Donc on va essayer de la chercher. Mais pour l'instant, on va rusher un peu toutes les... Les salles, donc on va redescendre, hop.
Là, on... Ah oui, j'avais vu Régis l'autre jour. L'autre jour. Ah, oh, putain, je me fais attaquer. On peut être cela, ouais, blablabla. Comme tu veux. Il a deux Pokéballs, électrode. Fleurizard, bon ouais, je peux y aller. Fueline. Fueliane. Voilà. Allez, dégage. Ouais, destruction si tu veux. Tu vas crever tout de suite de toute façon. Voilà. Merci. Gros tas de morve. Tranche herbe. Je vous le dis, on va y arriver hein, à trouver la sortie. C'est juste que c'est un peu chaud. On se perd très facilement dans ce fucking labyrinthe. Et c'est très chiant. Voilà. Ah oh, mince. Je suis l'un des quatre frères Rocket. Là, je veux pas attaquer les personnes là, j'en ai marre, je veux trouver la soluce. Au lieu de vous attaquer là. Je pourrais regarder sur internet mais ça ne réglera pas mon problème. C'est... En fait ça sera toujours un labyrinthe puisque je ne sais pas lequel portail prendre. Donc bon. Ça a dû rien faire ça. Ah non c'est coup critique. Ah c'est très efficace. Mais tant mieux. Herbe contre Osley, c'est cool. Ça marche bien. Dégage. Et si l'épisode serait un peu plus long, j'en serais désolé parce qu'il faut déjà que je termine cet épisode par retrouver la sortie. Parce que sinon, voilà. Alors, niveau 56, c'est cool. Là, avec Amakyu Rocket. Il y a frère à l'aide, blablabla. Pas grave, mes frères se chargeront de toi, mon petit. Oui, bien sûr, je te crois. Ok, il y a un professeur, blablabla. Bon, c'est pas grave, on t'attaque quand même. Allez, je suis un employé de la Saint-Sarle. Ouais, non, non. Quand tu vas m'attaquer comme ça, non. T'es pas un employé. Je suis désolé, monsieur. Tu n'es pas un employé. Allez, tranche herbe. Bam. Oh, c'est pas très efficace. Mais je m'en fiche parce que Florizard, il faut qu'il level up. Allez, qu'on en finisse de cette centrale de ouf. Honnêtement, c'est un truc de fou cette centrale. Elle est gigantesque. Elle est tranchère. Bam. Allez, va appeler Smogogo, et puis après, voilà. On va te parler, parce que je sais pas, peut-être que les gens vont nous dire la magnète, ou je sais pas quoi, allez. Des trucs comme ça, parce qu'il faut les cartes magnètes. Et voilà, il faut pour ouvrir les portes. C'est ce qu'il nous faut. Comment tu crées la Team Rocket? Et la Team Rocket, ok. J'ose quand même regarder un peu. Non, je croyais que j'avais la... Un truc, mais non. Voilà, bon, je suis passé par là parce que je veux voir ce qu'il y a après. Il paraît qu'un gosse se balade dans le coin. Bah c'est moi. Alors de quoi? Il paraît qu'un gosse se balade dans le coin. Mais qui t'es? Bah c'est moi. Arbok,
Level 33. Waouh. Tu es trop fort. Trancherbe. Et hop. Bam. Voilà, à dégager. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, il faut passer. Et une Pokéball. Et cette Pokéball. Si c'est une cité, je me pends. Et si c'est pas une cité, c'est cool. Donc, allez. Carte magnète, popopo. Voilà, là, je suis content. Là, je peux vous dire que je suis content. Parce que comme ça, voilà. J'ai bien fait de passer par là. Et là, comme ça, je pourrais enfin, débloquer les portes. Si on passe par là... Ok, c'est pas grave, on passe par là, il y a toujours un truc bien. Tes Pokémon ont l'air de t'aimer. Oui. Mes Pokémon m'aiment bien. Ils m'aiment beaucoup plus. De ce que tu ne le crois. Je pense qu'on va peut-être en finir cette centrale. Hein. Parce que honnêtement, ça fait deux épisodes que je la traîne, ou un épisode, mais bon... Voilà, ça m'a saoulé. Donc, on va essayer de terminer cette centrale. Et peut-être accéder à l'arène Pokémon et faire l'arène comme ça. Vous serez content et tout, et ce sera sympa. Après, peut-être que l'épisode sera un peu plus long parce que... voilà, je peux pas faire plus court. Parce que je veux terminer cette centrale. La centrale, je sais pas comment elle va se terminer. Donc du coup, je ne sais pas si ça va être long ou court. Et il m'a enlevé... Oh, le sale, il m'a enlevé le truc. Et dégage. Donc voilà. On va faire de notre mieux. Pour finir cette centrale. Voilà. Ma choc. Et ma choc, on va en finir avec Fouillian. Voilà. Comme ça sera fait. Et voilà. Et level 50, c'est toujours la même chose. Allez. Gya. Ok, tu viens de mourir. On va passer. Oh, il y a l'infirmière Joël. What the fuck, man? C'est très spécial. Bonjour. Maintenant qu'on a la carte magnète, tout peut se faire. Tu as l'air très fatigué. Tu devrais faire une sieste. Merci, courage. Merci bien. Ça, c'est très gentil de ta part. Il n'y a rien, donc on continue d'avancer avec la carte magnète. Et lui, on va pas le faire parce que là, il va nous emmerder. Hop. Ah mince. Les Pokémon sont de mes soldats. Ouais, j'avais pas combattu lui, donc on va le recombattre. On va combattre un peu tout le monde en fait, hein, dans cette centrale. Electrode. Level 33. Bon. Ça va, c'est pas trop compliqué. Et désolé si vous voyez que vous m'entendez un peu, que je parle un peu bizarrement, un peu lentement. On sait que je suis un peu fatigué, mais j'essaye de... Même pas trop l'être. Donc, voilà, ouais, c'est quand même un peu la pêche. Je suis un peu fatigué quand même. Mais bon, pas trop grave.
Là, j'ai déjà été. Oh non, mince. Pourquoi je me suis attaqué à lui? Oh, je suis la 4 Pokémon. Oh. Ça se fout de ma tête, là. Allez, dégage. Allez. Crève. Voilà. Smogogo, allez, vas-y. Pas que ça foute, moi. Hein. Je veux terminer cette centrale. Impérativement. Je dois vous avouer que... On l'embine un peu sur les... Sur les rosiers, ça veut rien dire, mais on l'embine. Et j'aime pas trop ça. De savoir que j'avance pas dans le let's play. Ça me rend un peu dingue. Parce que là, ce qu'on fait, c'est rien, ça sert à rien. Et on tourne un peu autour du pot, j'ai envie de vous dire. Et ça, j'apprécie pas trop. 57, bah c'est nickel ça. Pour marquer qu'on est déjà pratiquement au level 60. Hein. Ça c'est cool. Passons peut-être par là. Oh, Régis, on l'a trouvé. Popopo, c'est bon. Régis, ce que tu es lent, Light. Eh oh. J'ai passé, je sais pas combien de temps là. Dans ce fucking truc. Voilà. C'est bon, on l'a trouvé, Régis. Là, je suis content. Ah, j'étais sûr que tu étais passé par là. La Team Rocket t'a posé des problèmes. Quel dommage. Je t'ai vu à Safrania. Et tu es toujours aussi nul. Non, je ne suis pas nul. Je suis désolé, mais je ne suis pas nul. Et tu as 5 Pokémon, comme moi. Et tu as un sale blaireau. Ouais, ouais, j'ai fait la blague. Trancherme, rien à foutre. Zbam. Bah, l'épisode aurait été long. Peut-être 40 minutes, mais bon, ça vaut le coup. Fenard. On a un Pokémon de type feu. Ils m'ont rien à foutre, au revoir. Ouais, c'est pas. Ouais, non. Oh non, il va me faire mal. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit. Bon, là, on va appeler Tortank. Allez, Tortank. Là, cette fois, on est au bon truc. Parce qu'on a tourné, tourné autour du pot, je ne sais pas combien de temps. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire une accélération. Vous n'y reverrez que du feu, parce que vous m'entendrez pas parler. Mais voilà. Parce que je veux que l'épisode soit un peu plus court. Donc je ferai quelques petites accélérations par moment. Donc voilà. Vous verrez quelques petites accélérations par moment. Crustabri, bah ça on l'utilisera sur Pikachu.
D'ailleurs, le Pokémon qu'on va avoir, ça va être un Pokémon très 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 spécial et qui est très populaire dans la série des Pokémon de la première saison. Et qui, je vous en dis pareil, pas plus, parce qu'il est vraiment bien ce Pokémon. Voilà, à dégager. Ouais, non, ça c'est bien. Oh fuck. Non, j'aime pas Choc Mental. What? Ça fait mal. Dégage. Nyeo. Bam. 58. Ça c'est cool. Voltali. Ah oui, lui il l'a fait évoluer en Voltali. D'accord. Ok, Voltali. Si tu veux. Ah ouais, merde. C'est vrai que c'est un Pokémon électrique. Oh, j'aime pas les doubles pieds. Allez, tonnerre. On s'en fiche que ce soit un Pokémon type électrique. De toute façon, on est plus fort que lui. Voilà. Oh, j'ai donc prêt pour le chef de la Team Rocket. Wesh. Ok, Light. Je décampe. Grâce à mon joli Pokédex, je découvre qui est fort et quelles sont toutes les évolutions. Je vais à la Ligue Pokémon pour détrôner le conseil des 4. Je serai bientôt le dresseur la plus puissante du monde. Ok, tu en auras d'autres besoins, menable. Tu veux déjà la Ligue Pokémon? Ok, il est fou, lui. Oh, tu n'es pas un Team Rocket? Et tu l'as pour nous sauver, merci. Prends donc ce joli Pokémon en cadeau. Et ce Pokémon est Holoclas. Et Holoclas, c'est un Pokémon de type eau. Et ça sera notre dernier Pokémon. Et je crois qu'il est au level 15. Il est level 15. Alors oui, j'ai deux Pokémon type eau. Mais, ah non, type glace. C'est justement ça que je voulais. Je voulais un Pokémon de type glace. Et ça, c'est cool. Voilà, merci bien. Donc on peut continuer et on a la fin, une minute d'avorton. Et on est à la fin du truc. Et on se fait attaquer par la Team Rocket. Notre boss est en réunion, tu ne dois pas le déranger. Voilà, encore la Team Rocket. Donc ils ont 3 Pokémon, ok c'est cool. Vous allez dégager. Parce que voilà. Et je pense qu'ils seront partis de centrale, on va pouvoir enfin aller à l'arène. Et l'arène, je vais vous laisser un peu palpiter devant. Parce que, voilà. L'épisode sera un peu trop long si je fais l'arène, donc bon. Même si j'aurais fait quelques accélérations. Ou peut-être pas. Mais ça, vous le verrez si je ferai des accélérations. Donc voilà. Voilà, dégage. Oui, on va changer de Pokémon, on va prendre Pikachu. Ils sont tous level 57 en fait. Non, sauf Dracaufeu. Et contre Arbok, je pense qu'il est plutôt pas mal. Vol, ouais. On va faire vol. Et bam. Miaouss, il va vite décamper lui aussi. Comme il dit. Régis, je décampe. Les vols. Et à dégager le Miaouss. Bon là je suis plutôt content, on avance et ça c'est cool. Même si j'ai raté un peu lent durant cet épisode. Team Rocket est à la vitesse d'une voiture, en gros. En gros. Ok, en gros. Ok, ben nous voilà pour le combat final de Team Rocket. Ah, Light. Une fois encore, nos routes se croisent. Le PDG et moi-même discutons d'une affaire très importante. Viens pas te mêler de tout ça, mon bonhomme. Dégage ou déguste. Ah, toi tu vas déguster. Je le sens. Je le sens bien que tu vas déguster et ça. Ta défaite sera très amère. Donc, tu vas crever en bonne et due forme. Parce qu'il le faut bien. Il faut bien que tu crèves au bout d'un moment, voilà. On peut pas laisser la Team Rocket faire des choses comme ça.
C'est inconcevable. C'est inconcevable de faire ces choses-là. Oh. Attends, tu vas crever. Arrête de faire de ces choses-là. Tu vas mourir. Tu vas mourir, je te le dis. Je te le dis tout de suite. Tu vas mourir. Persian. Ouais, on va changer de Pokémon. On va prendre Dracaufeu. Évolution de Miaouss. Persian. Et on va faire Danslam. Bam. Pourquoi ça attaque pas fort fort fort? Vas-y, coupe. Rien à foutre. Je sais pas ce qu'il nous a fait là. J'ai pas trop compris. Rhinocorne. Lance-flamme, rien à foutre. Au moins je l'ai tué en 2 secondes. Et c'était très cool. Nidoqueen. Queen, pardon. Oh. Il y a des Pokémon pas mal, hein. Mais ils ont vite crevé. Arc, encore perdu. Non, notre invasion de la Slinf est fichue. Mais la Team Rocket est invincible. Light, n'oublie jamais que tous les Pokémon sont pour la Team Rocket. Ah, c'est ce que tu crois, mon bonhomme. Là que t'allumes le PC. Ok. Enfin, joueurs, eux, ils sont restés là et ils ont rien dit. Merci de vous avoir tous sauvés. Ton courage est exemplaire. Mais de rien, madame. Mais de rien. Merci d'avoir sauvé le Slinf. Je n'oublierai jamais ton no-fait. Tu mérites une récompense. L'argent n'est pas un problème pour moi. Tiens, je crois que ceci te fera plaisir. Oh, mais j'ai toujours jamais assez de place. En plus, je peux pas enlever les trucs qui me servent à rien. Alors, on va enlever ça. Vas-y, PDG. Master Ball, popopo. Et ça, c'est cool, on a la Master Ball. D'ailleurs, on va utiliser le code sortie parce que voilà, le code sortie. On en a fini avec la centrale et je pense qu'on va se laisser là. Oh, wait. Ok, on était allé au machin. Bon. On va juste voler avec notre cher Dracaufeu parce que voilà. Nous a amené un peu où il fallait pas. Je crois que c'était par manie. C'était ça, Frania. Et là, oui, c'est bien, ce sera Frania. Pourquoi c'est la même musique que Jadiel? Mais what the fuck, ça? Ah. J'ai vu le chef de la Team Rocket s'enfuir de la simple. Ouais. Ouais, et donc notre prochaine arène sera l'arène Pokémon. Popopin. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce 17ème épisode qui aurait été assez long pour moi, mais je pense que j'aurais fait quelques accélérations, donc du coup il aurait été un peu plus court pour vous. Mais néanmoins, l'épisode était assez long et on a enfin terminé avec la Team Rocket. Et Régis, et on a gagné un autre Pokémon low class que je ne pense pas que je vais faire level up parce qu'honnêtement ça va trop me gaver, ça va être trop long et ça ne sert strictement à rien parce que j'en ai déjà 5 Pokémon et avoir un autre Pokémon glace, enfin bon voilà, on va le laisser comme ça. Voilà, c'est déjà plutôt cool. Bref, donc si cet épisode vous aura plu, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à partager la vidéo. Et donc dans le prochain épisode, on ira à l'arène Pokémon de celle-ci et à l'autre arène Pokémon, la dernière. Et puis après, on ira à la Ligue Pokémon, voilà. Donc ça fait déjà un bon chemin qu'on en a fait hein, sur cette série de Pokémon. Et honnêtement, c'était plutôt cool. Bref, bah ça c'est là pour ce 17ème épisode de Pokémon. Et je vous donne rendez-vous pour le 18ème épisode de Pokémon version jaune. C'était LightPixel et je vous dis à très bientôt pour le 17ème épisode de Pokémon version jaune. Allez, ciao.